Le béhour, c'est un sport de combat médiéval. Ce sont des combattants en armure avec des armes émoussées pour ne pas blesser. Et le vainqueur et sont les combattants qui restent debout. Le béhour, c'est tant l'amour de l'histoire que l'amour de la castagne. Alors, il y a plusieurs catégories de béhour. Il y a les combats en 1 contre 1, des combats en 5 contre 5, des combats en 16 contre 16 et même des combats en 21 contre 21. Pour gagner, c'est simple. En équipe, c'est de mettre ses adversaires au sol, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas forcément si simple que ça. Au final, tant que t'es debout, t'as pas perdu. Après, tu peux tourner autour de la lisse, tu peux t'agripper à quelqu'un si jamais tu sais pas forcément rendre les coups. Mais ouais, c'est du mental et de l'endurance au final. C'est vrai qu'au premier abord, quand on voit les gens se taper dessus comme ça, on peut se dire que ils sont, voilà, c'est une bande de barjots qui ont juste envie de se taper dessus. En fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. On a quand même une tactique de départ. On fait du travail d'équipe, on cherche vraiment à ce que chaque arme ait son utilité, mais aussi chaque homme au combat soit utile. On fonce pas bêtement dans l'adversaire comme ça. On va avoir différentes catégories de personnes qui vont avoir des armes différentes également. Ceux avec des boucliers, des armes assez courtes, vont plutôt essayer de bloquer les adversaires, pendant que ceux avec des armes à deux mains, qui vont pouvoir frapper très fort, vont essayer de les contourner et leur frapper sur la tête, sur les côtés, pour essayer de les assommer, pour les faire tomber. On a également les runners qui vont courir un peu partout, là dans la lisse, pour déstabiliser l'adversaire, leur passer dans le dos, etc. Du coup, oui, c'est et un sport, et pour les spectateurs, un spectacle, et un sacré spectacle. Il y a un côté historique dans le béhour, même si aujourd'hui on ne prétend pas faire de la reconstitution historique quand on fait un tournoi de béhour, c'est pas du tout le but. Je coupe vraiment en deux la reconstitution pure et dure d'un côté et le béhour en tant que sport de l'autre. Et j'essaye de mêler les deux, mais le béhour et la reconstitution, ça va pas ensemble. Le béhour en vieux français, ça veut dire fracas, et c'était des hommes d'armes qui s'affrontaient entre eux juste pour prouver leur valeur au combat. C'était pratiqué avec beaucoup plus de participants déjà. Souvent, c'était pratiqué sur des villages entiers. Il y a eu des tournois béhour pratiqués dans des lices. À savoir que le béhour de l'époque était quand même beaucoup plus violent que ce qu'on pratique nous. Mais comme tous les tournois au Moyen Âge, il faut bien penser que c'était pas des combats à mort. C'était un sport pour montrer sa valeur au combat. On essaie de s'inspirer principalement des tournois tels qu'ils se déroulaient au XIIe et XIIIe siècle, et ensuite de la forme de tournois qu'a rédigé plus ou moins le roi René d'Anjou. Les tournois se faisaient à cheval, bien sûr, mais dans la mesure où nous, on s'inspire aussi des batailles, les rencontres telles que le combat des 30 et le combat des 7, qui se sont faites à pied. Pour nous, c'est aussi logique de le faire à pied, en fait. Et pour des raisons de sécurité aussi, on ne peut pas impliquer des chevaux dans un vrai sport de combat tel que celui qu'on pratique. Il y a tout un processus de vérification des armes, des armures, pour des raisons de sécurité et d'historicité. On doit avoir une armure qui est cohérente sur 30 années. Maximum. On ne va pas porter un casque de 1230 avec des jambes d'armure de 1595. C'est complètement aberrant. Donc il y a l'historicité des équipements et aussi historiquement il y a tout l'aspect donc de qu'est-ce qu'un tournoi, en fait des aspects du comportement des gens, de faire vraiment un combat réel en fait, comme ce que se faisaient les tournois surtout au 12e et 13e siècle dans des grosses mêlées comme ça. C'est ça aussi qui est historique. Au niveau mondial, on retrouve des équipes de béhour dans à peu près tous les pays. Après, là où c'est le plus développé, tout le monde le sait, c'est dans les pays de l'Est. La Russie, Pologne, Biélorussie, Ukraine. En France, là, on est 70 à 80 ce week-end, alors qu'en Russie, ils peuvent faire des compétitions à 200 ou 300. À la base, dans le béhour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du monde médiéval. Moi, je me suis mis au béhour, en fait, je viens du monde médiéviste. Et quand j'ai après acheté ma première armure, en fait, je trouve ça bien de porter une armure, mais de rien faire, je trouve ça frustrant au possible, quoi. Je pense que ce qui attire les gens dans le béhour, c'est qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. On a tous rêvé de mettre une armure, de prendre une arme et de
faire comme les héros de tous les récits qu'on a pu lire quand on était petit, et de vivre une vraie bataille, de vivre vraiment ce que c'est, quoi. C'est vraiment à part. T'étouffes dans ton casque, t'as 40 kilos d'acier sur le dos, ton bras devient lourd à force de taper, le moindre coup t'arrache un râle. Mais c'est super stimulant parce que t'as une arme entre les mains, que le mec d'en face en a une aussi, et qu'à chaque coup, tu sens ta tête qui bouge, il y a des étincelles, tu sens l'odeur de brûlé, tu te demandes si ta barbe n'est pas en train de prendre feu, on sait jamais, tu transpires abondamment. On se rend compte que ce soit les parades de coups, que ce soit les esquives, que ce soit la course à pied dans une lisse, que ce soit la frappe, tout demande énormément d'efforts. C'est très physique, ça demande énormément d'entraînement, surtout pour le cardio, puisque avec le poids de l'armure et le fait d'être enfermé dans un casque, on s'essouffle très rapidement. Les armures font entre 20 et 30 kilos, suivant les gabarits, parce qu'il y en a même qui ont des armures qui font plus de 40-45 kilos. Niveau physique, c'est un des sports les plus intenses que je puisse connaître, quoi. L'année dernière, j'étais champion de France par équipe, champion de France en individuel, épée longue, épée bouclier et arme d'as. Il y a énormément de technique, il y a énormément de préparation. On va pas rentrer avec une armure, oh, allez, salut les gars, bam, 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 je rentre dedans, je suis un champion. C'est entre 8 et 14 heures d'entraînement par semaine. Le fait qu'on ait aujourd'hui un règlement officiel international permet de limiter le danger, c'est-à-dire que personne ne peut faire n'importe quoi. Il y a des arbitres qui sont là pour faire respecter ces règles, qui stipulent comment est-ce qu'on doit être protégé aussi. Donc quand on a une bonne armure et qu'on a une condition physique à peu près normale, il n'y a pas vraiment de raison de se blesser. J'ai fait d'autres sports où il y avait beaucoup plus de blessés, type rugby ou quoi. Personnellement, j'ai fait de la savate pendant plusieurs années. J'ai eu plus de bleus en faisant du béhour, certes, mais par contre, j'ai jamais eu de bras cassés, j'ai jamais eu de chevilles cassées. Très peu de blessures, surtout à l'extérieur vraiment du corps. Il arrive par exemple de se tordre la cheville, de se faire des entorses, d'avoir des bleus et dans des cas extrêmes, d'avoir des fractures. Mais par exemple, c'est la troisième fois qu'on fait le tournoi, le championnat de France à Château-Thierry, et on n'a jamais eu de fracture ou quoi que ce soit. Au niveau de l'équipement individuel, bien sûr, on va chercher toujours à se protéger convenablement, toujours avec cette volonté de reconstitution historique. Si les mecs le portaient à l'époque, on le porte aussi maintenant. Mais on a aussi pas mal de combattants qui, pour leur sécurité, préfèrent aussi des protections modernes qui vont porter en plus en dessous du gant bison. Quand on a fait la bataille des nations à Aigues-Mortes en France en 2013, on a des secouristes français qui étaient là sur place et qui ont pu soigner les gens, qui ont produit un rapport. Eux, ils ont rapproché cette pratique en fait des résultats qu'ils avaient en VTT, en compétition de VTT. C'est un peu le même genre de risque en fait. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, parce qu'il faut le temps de s'équiper. Le béhour est un sport cher comparé au foot, par exemple, je pense, où il n'y a pas besoin de grand-chose. On peut avoir une armure pour faire du béhour, qui correspond aux standards et aux règles, pour 1000 euros. Il y a beaucoup de sports qui coûtent beaucoup plus cher. L'équitation, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. L'entretien de l'armure, c'est quelque chose qui se fait par soi-même, quoi. Donc c'est du nettoyage, on ajuste les pièces, on remplace des sangles. Nous, on répare nos armures nous-mêmes, on fabrique même beaucoup de pièces d'armure nous-mêmes. Dès qu'il y a une pièce de cassée, on va la réparer tout de suite. On ne peut pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place, il faut le faire tout de suite et voilà. Il vaut mieux être bricoleur quand on a une armure ou avoir quelqu'un dans son club qui est un bon bricoleur et qui peut nous apprendre et nous aider. La Fédération française de béhour existe seulement depuis un an. Cette structure fédérale qu'on essaie de calquer sur les sports qui sont officiellement reconnus regroupe en fait tous les clubs qui pratiquent le béhour. Si on veut tester le béhour et qu'on n'a pas d'armure, il faut contacter le club de la région dans laquelle on est et voir avec eux s'ils sont d'accord pour vous accueillir sur un entraînement. Et là, ils peuvent vous prêter une armure en entraînement et vous essayer une armure en entraînement. C'est quand on essaye qu'on voit vraiment ce que c'est et qu'on comprend pourquoi ça plaît autant.